Eh bien salut YouTube, comment allez-vous? On se rejoint directement au lieu de la mission. Enfin, à ce que je comprends, parce qu'en fin de compte, quand je suis arrivé, avant d'arriver en fait, il m'a indiqué que je ne sais pas pourquoi, que ma mission principale était là, mais sur le radar en haut en fait, plus positionné ici, donc je ne sais pas. Mais je pense que c'est plus ici, hein, techniquement. Vu les gars du vaisseau. Ok, plutôt accidenté. Ok. Ok. Par contre, le rechargement. Putain. Ok. Non, s'il vous plaît, pas d'autre. J'ai déjà attaqué ceux qui sont là. Des rebelles ? Il dit que cherche vraiment les ennemis. Attends, je peux se préparer là. Allez. Il est avec moi. Ah, il est avec moi, il est avec moi, il est avec moi. Ok. J'ai pas l'habitude d'avoir de l'aide en fait. T'es avec moi toi, parce que t'es en train de me viser là. Faudrait que je dise l'autre avant. Le bouclier me gêne. Ok. Non, je pensais qu'il était tourné en fait, c'est pour ça que je tire dans le bouclier. Regarde, vous pouvez vous occuper du mec qui est à droite là s'il vous plaît, parce que il est en train de me mettre un peu tarif. Je peux t'handicaper toi. Bon, partant, tu te tues pas. Normalement c'est bon, neutralisé. C'est bon. Putain, j'ai eu de l'aide, eh. Incroyable. Sérieux, Guidic, t'es la dernière personne que je voyais travailler avec les rebelles. Tu devrais le remercier, sans quoi tu serais morte. Les droïdes vipères sont de plus en plus agressifs. Il faut qu'on lance notre assaut. Quel assaut? Tu infiltres la base, pendant que mon équipe dégage un chemin pour extraire l'objectif. Super plan. Sauf que la dernière fois que j'ai fait équipe avec des rebelles, j'ai eu une prime sur la tête. Merci, mais sans moi. Je t'avais dit qu'elle était ma fille. Kay, s'il te plaît. Pour que ça marche, on a besoin de toi et des rebelles. J'ai accepté de t'aider à corriger tes erreurs, pas de participer à la guerre de quelqu'un d'autre. Cette guerre concerne tout le monde. Écoute, Kay, oublie les rebelles. Beaucoup de gens vont souffrir à cause de ce que j'ai fait. Tu veux un réparateur de droïdes? C'est ça le marché. Faut que j'y aille. Me laisse pas tomber. J'espère que c'est vraiment du sérieux, votre plan. Je connais pas bien le milieu criminel, mais nous, on n'abandonne pas les nôtres. Vous savez pas ce que c'est de se faire abandonner. Po. Ok. Se trouve au four de la canyon à l'ouest. En continuant dans cette direction, tu devrais finir par la trouver. Ça marche, j'arrive. Ok, et du coup, la dernière fois, c'était laissé justement. Le fait que je voulais améliorer mon speeder, mettre le... Ok, c'est à gauche, ok, juste à sortir, hop, suivre la gauche. Et mettre un équipement dessus qui me permet en fait de pouvoir, on va dire, naviguer sur l'eau. Et du coup, en fait, c'est bon, j'ai pu récupérer, trouver la bonne personne. En fait, il était pas du tout dans le camp, il fallait passer à une personne qui, je crois, il avait disparu. Ouais, attends, il fallait où, à gauche ou à droite, là? Gauche, ouais, en fait, faut suivre le... Ok. Mais je pense que de toute façon tu es un peu obligé de le prendre parce que là, si tu regardes bien, t'es... Le seul chemin c'est sur l'eau. J'ai une question personnelle. Oh, vas-y, je t'en prie. Pas obligé de t'occuper. Pourquoi as-tu toujours ce jeton de casino sur toi? Après analyse, je ne t'imagine pas t'en servir pour placer un pari. Oh, c'est la dernière chose que ma mère m'a laissée quand j'étais petite. Un pense-bête. Pour pas oublier qu'au bout du compte, y'a que Nyx et moi. Je vois. Je n'ai pas d'autres questions. Ok, super. Du coup, on peut bosser tranquille. On est prêt à lancer l'assaut. T'es en position? Pas encore. Dépêche-toi alors. On ne déclenche pas d'alarme dans la base. On compte sur l'effet de surprise. L'escadron Typhon terminé. Ok.
Donc c'est ça, ce qui me fait rire, c'est que le seul... j'ai peut-être pas escaladé là, pardon. Ah, parce que attends, le problème c'est que... Attends, remonte un cran s'il te plaît. Je suppose qu'il y a des ennemis qui sont... Bah ouais, il y a des ennemis qui sont arrivés. Bon, c'est pas drôle. Hop, attends. Juste déployer l'échelle. Ok. Adore, ça m'aide à m'avancer, pardon. Mais je crois que lui, genre, je peux le neutraliser comme une merde. Ok. Ah, c'est juste pour m'aider à traverser le pont, quoi. Pas comme si j'avais besoin d'aide. Là, ils sont trois. De toute façon, si je siffle, il n'y en a qu'un qui va venir. Donc, viens, tu vas voir comme on est bien. Allez, dépêche-toi, mon pote. J'ai qu'un type à tuer, là. Pas ton temps. Par contre, ouais, j'ai remarqué que... Attends, par contre, je vais me soigner. Ça va prendre de grand chose qu'on me dit, mais... C'est tellement faux ce qui vient de... C'est tellement impossible qu'il m'ait grillé. J'ai tué tout le monde. Bon, en fin de compte, c'est plus rapide. Qu'est-ce que ça pouvait être? Je sais pas. Ça, je peux pas. C'est impossible que tu me vois. Arrêtez. Mais. Tiens, dans ta gueule là. Oh, patate! Voilà, merci. C'est fini. C'est quand même la seule qui a pas entendu que ça tirait derrière elle, quand même. Normalement, j'ai tout récupéré, donc on est bon. En plus, c'était la seule. La seule meuf qui entend rien, c'est quand même la seule qui est à côté de l'alarme. Je dis ça, je dis rien, mais. Je dis tout. Mais effectivement, sur le combat qu'on a eu juste avant, avec le robot là. J'ai l'impression de m'être pris quand même pas mal de tirs et j'ai pas perdu énormément de vie. Normalement, c'est ma combinaison qui m'aide. Qui m'aide à subir moins de dégâts. Et du coup, j'ai l'impression que ça fonctionne plutôt bien. Parce que d'habitude, tu peux mettre des trucs, mais tu le ressens pas forcément. Et là, au final, tu le ressens plutôt bien. Ouais. Alors, j'ai l'impression qu'il y a pas grand monde. Ouais. C'est le parcours, quoi. Vas-y, arrête de souffler pour voir. Je me demande si je peux pas faire un truc à Nyx justement pour qu'il arrête le truc. Et qu'il y avait un passage là, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait un interrupteur ou autre. Ah, ou alors faudrait que. Non, négatif. Négatif, négatif. Je me suis dit peut-être comme... Voilà, tu vois, mais... Attends, mais s'il y a un trou là, c'est forcément que Nyx peut passer quelque part, en fait. Dégage-toi. Eh, mais attends, c'est là où j'étais il y a deux secondes, ça, en bas, non? Nyx, qu'est-ce que tu peux faire, là? Qu'est-ce que tu peux faire pour m'aider? Bah, rien, en fait. En fait, tu peux rien faire, mon pote. Mais moi, je peux rien tirer... Je peux tirer sur rien? Ok, attendez, je vais regarder derrière s'il n'y a pas autre chose. C'est vrai que j'ai... Je vais regarder s'il y avait des trucs à pirater ou autre. Non, négatif, il n'y a rien. Très bien. C'est pas un système de timer. Ah, ah. Tu peux garder ça ouvert pour moi? Ah, ok. On nous dit pas tout. J'ai bien qu'il y avait un passage pour Nyx, mais je savais pas qu'il fallait venir jusqu'ici. Ok. Bien joué, Nyx. On va prendre de l'élan, hop. Qu'elle soit parfait.
J'espère qu'il va réussir à nous rejoindre, notre pote là. Et du coup, l'armée elle est où là? Parce que je me bats tout seul en fait. Giddick, c'est bon. Ok, suis le tunnel. Il mène au poste d'écoute, là où se trouve le réseau de défense de la base. Il faut qu'on le désactive avant l'attaque. Ok. J'ai pas vu qu'il y avait un trou. Quel con. Périmètre de sécurité optimal. Force en état d'alerte. Excellent. Si ces rebelles se montrent. Excellent. Ils vont avoir une mauvaise surprise. Ouais. Bon, t'y a moyen que vous dégagez ou. Merci. J'avais juste s'il y avait plein de trucs à fouiller. Dans ta gueule. Voilà, ça c'est de la discrétion ça. Tiens, dans ta gueule. Alors me pose pas la question de pourquoi il a... Enfin, qui repose le mec tout doucement parce que... Mec, je lui mets un coup, sa tête elle a frappé contre le... contre la console. Ok, bon, y'a rien à piquer, rien à pirater. Sauf ça. Assez simple. Quoi? Eh, c'est impossible. Impossible. C'est impossible. Ah, je vais me faire démonter. Là, je vais me faire démonter. Nyx. Fais un truc. Fais un truc, Nyx. Ah bah attends, y'en a qu'un qui a alerté là, ok. Ah, le problème c'est que lui que je vais essayer de l'avoir au corps à corps, les autres, ses potes vont me voir, c'est sûr. Reçu. Rien à signaler ici. On a signalé... Négatif, t'as rien vu. Et bah là, s'il y a pas un mec qui déclenche l'alarme, gros. Attends, vas-y, attaque. C'est une technique que j'ai mise en place pour... Négatif. Attends, attends, faut que j'anique. Faut que j'anique. Ok, Sam. Ok, neutralisez-lui. Ok, il y a un sniper, je vais m'en occuper parce qu'il fait mal lui. Bah là, on est nul. Pas mort lui. J'ai quand même me heal parce que là, je prends un peu tarif quand même. Y'a quelqu'un d'autre ou pas qu'on veut là? Je crois qu'on a eu tout le monde. C'est vrai que le con par contre a voulu appeler un phare, alors je sais pas où était le... le système, je regarde juste s'il n'y a pas des trucs à fouiller, hein, si jamais. Tiens, ça a piraté, attends, je reprends juste du heal. Hop. Ça, c'est peut-être juste pour pirater la caméra, c'est pas impossible. Hop. Mais effectivement, l'autre qui appelle. Qui veut déclencher l'alarme et qui vient juste à côté de moi, pratiquement. Ouais. On va reparler de son efficacité. Ok, donc tac, tac. Ah bah voilà, nickel. On a la bonne combinaison. Ok, ça désactive, et ça, okay. On ouvre les portes. Nickel. C'est tout, hein, c'est tout ce qu'il y avait, hein. Ouais, si c'était tout, hop. Je dis pas que je vais perdre de la vie. Enfin, deux secondes, j'ai cru que j'allais en perdre, hein. Hop, là, juste ici, s'il n'y a pas un truc à récupérer. Désolé, j'ai paniqué, j'ai entendu quelqu'un parler. Dans le jeu, je sais pas pourquoi, mais des fois, t'as des mecs, ils entendent pas que ça se bat à côté d'eux, donc... Non, bah, je sais pas. Non, mais d'accord qu'il y a quelqu'un qui a parlé. Ah là là, mais t'es juste là. Je sabote au cas où, je me dis au cas où si... Je sais pas. Oh, po, mais quel malade. Putain, mais je suis con. L'autorité du bureau de la sécurité impériale. Fais attention. Te laisse surtout pas attraper par ces gars. T'inquiète, laisse faire les professionnels s'il te plaît. Mec qui connaissent leur métier. On se dégage. Ok.
Il y a un, faut juste que j'arrive à entrer dans le bureau. Il y a un mec à gauche. Il y a des méchants, Nix. Personne à droite, ok. Bonjour. T'en manges. Ok. Tu pirateras après. Tu récupères juste tout le matos. Hop. Oh, j'ai récupéré lui. Alors, jaloux. Est-ce que pirater là, est-ce que pirater ça, c'est utile? Parce que si je passe par là, c'est pareil en fait, non? Peut-être pas. Oh, c'est la porte qui s'est fermée, ça m'a fait flipper, j'ai cru que quelqu'un était rentré. Yeah. Ouais, mais au final, tu vois, je fais ça, j'ai pas besoin de pirater la caméra en fait. Mais attends. Par contre, le seul truc que je vais faire, c'est désactiver les alarmes par contre. Parfait. Ok, nickel. Je suis au poste d'écoute, je crois. Bien. Coupe les défenses de la base. Et nos amis pourront entrer. Tes amis, Giddick. C'est tes amis, mon patin. C'est pas les nôtres. Alors. Ok. Déjà je pirate. Oh putain, y a un mec là, j'ai pas vu. Ah attends, c'est lui qui va à droite et à gauche. Ok, 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 attends. Oh, oh oui. Ah oh, tu m'arranges à aller là toi. Faites-moi un rapport. Terminé. Tiens, il est là ton rapport. Ouais. Alors il a quel goût ce rapport? Un petit rapport d'inachevé, non? Ça va, ils sont tous sur la poste de travail, s'ils bougent pas, ça devrait aller. Comment, faut pas qu'ils se tournent par contre? Allez, te tourne pas, continue à travailler. C'est pas l'heure de la pause encore. Pas la pause café, pas la pause clope. Pas leur pisser non plus. Ah, c'est l'heure de dormir par contre. Au suivant. Normalement il en reste qu'un et on est bon. Est-ce qu'on serait pas un peu les rois de la... Un peu avec toi. Mais complètement aveugle même. J'ai même pas vu s'il y avait des mecs en bas par contre. Ah si, il y en a encore un là. Ah, il y en a encore un là. Oh non. Attends, je vais les défoncer avant que... Avant de pirater là. Parce que sinon... Tu retournes pas. Ah, vu qu'elle a arrêté son interaction là, je me suis dit... Qu'elle allait se retourner. C'est faux. Alors là, j'y étais à toute puissance dans sa gueule. C'est bon, on peut pirater tranquille? Parfait. Ah bah même pas de... Ok. Voilà. C'est bon. Parfait. J'ai déjà utilisé. Du coup, j'ai où moi? Pour entrer. Tu devrais pouvoir m'en rejoindre. Bah ouais, mais où? Parce que t'as plusieurs portes. Ah, faut que je passe ça, ok. Là, je pensais que c'était juste pour me cacher au cas où si... Pas forcément pour une évacuation rapide. J'y suis presque. T'es où? Dans une salle de maintenance près du labo du droïde Viper. Vite, avant qu'il se pose des questions. Non, ça va, y'a pas de timer. Imagine, il y aurait eu un petit timer. Je déteste ce genre de mission. Quand t'es timé comme ça là, je déteste ça. Hop. Bah, surtout quand c'est un jeu où t'as quand même des collectifs à récupérer. Non, c'est bon, c'est le bœuf, c'est pote. Bien, t'as réussi. Le droïde Alpha est juste à côté. Et donc, on le fait sauter? Non, j'ai une meilleure idée. On va réinitialiser ses protocoles et le mettre du côté des rebelles. Ensuite, il convertira le reste des droïdes vipères. Ce truc doit avoir déjà 30 000 protocoles. Comment tu vas faire pour les effacer? Comme on a piraté les machines du casino de Cantobite. Attends, tu comptes reprogrammer un droïde de combat avec ton pic de jackpot? Ah, je l'appelle pic de liberté maintenant. Il fait de nouvelles choses.
Pardon, monsieur. Par ici. Je te suivrai quand ce sera sûr. Ouais, c'est toujours à moi de tout faire. Pourquoi tu peux pas te débrouiller? Bah c'est sûr, tu peux avancer, hein. Y'a personne, hein. Y'a même rien à récupérer, d'ailleurs. Attends, on est vraiment... Fais bien le ménage dans le labo. Personne doit nous voir. Eh bah, écoute... Fais dodo. Je me demande si j'attaque les deux qui sont en bas, si le mec en haut va me voir. Ça n'augure rien de bon. Ah, j'étais trop malin pour lui. Un gros bâtard. Non mais là c'est faux. C'est faux là, c'est faux. Comment le mec il sait que je suis en haut? Arrête. La voie est libre. Quel mytho celui-là. J'arrive. Ouais bah laisse-moi récupérer donc, mes trucs. On s'occupe de ce droïde, les syndicats te lâchent la grappe et tu viens rejoindre l'équipage. C'est ça? Et c'est fini les surprises. Promis. Escadron Typhon, on est en place. Bien su. On va ouvrir une issue. Ramenez-nous ce droïde. Il faut que tu désactives ce champ de confinement, ok? Compris. Parce que le seul truc que j'ai pas fait, c'est là-haut, quoi. Ok. Bouge pas, hein, je vais fouiller, hein. T'inquiète. Je fais comme si c'était chez moi. Enfin, c'est peut-être ici qu'on va se barrer après, hein. C'est pas impossible, hein, mais... Par contre, alors, je veux pas être défaitiste, hein. Mais je trouve qu'il y a un peu trop de vie. Dans la zone. Pour que ça soit si calme. Mais ça, je dis rien. Mais je le dis quand même. Ok. Oh là là, mais quel génie. Mais quel génie. Ok. Champ désactivé. Je crois que tes amis sont là. Je suis dans le système. Empêche les stormtroopers de m'atteindre. Ah moi j'ai volé ce patate, hein. ND, je vais avoir besoin d'un peu de renfort. Bah tu vois, je vais me cacher en haut. Et bah je vais pas me cacher là-haut en fait. Dans un canyon, dans la jungle, sous les explosions, je sais pas. Putain, eh mais... En plus je voulais me cacher, hein, mais... Il est où le mec qui tire? Ok. Mais je trouve que... Ah, j'ai quand même me soigner parce que après tout avec la vie qui a par terre c'est pas bien grave. Mais non. T'es dans la butte toi. Ok, j'ai aussi à le gérer avant qu'il remette son bouclier celui-là là. Bah je sais pas voir la porte. Ah faut que j'aille là, ok. Je récupère un peu de vie par terre d'ailleurs. Ok c'est bon. Bon une seule ça suffit, hein. Attends il vient avec nous, il reste pas dans le vaisseau pour une fois. Attends c'est où l'ouverture là? Ok. Bon une fois qu'il est sorti du vaisseau lui. Très bien. Ah, excuse-moi, j'ai cru qu'il est... Non mais j'ai cru que vous étiez ensemble, c'est pas non plus... Par contre, il a énormément de vie, lui. Ok. Ah, ceux qui sont habillés tout en noir, ils sont hyper résistants quand même. Ah, bah je crois qu'il est capote. Ça va? Je suis toujours debout. ND5. Tu me fais un peu peur là. C'est rien. Ne restons pas là.
Kidik, on se fait sacrément canarder. On a besoin de ton droïde vipère. Ouais. Il faut que quelqu'un reste avec moi pendant que j'efface toutes ces données. Je m'en occupe. Kay, emmène ce droïde vipère au hangar. Mais il va mourir lui, regarde, il est ouvert. Attends, je pars par où moi, pardon. Okay. Ah, faut que je suive le vipère. Ouais. Bah attends, parce que je dois le suivre, mais soit il avance pas, soit il voit beaucoup de trucs par moi. Il va ? Ah mais c'est tous des alliés les drones du coup. Oh, pas mal Guidic. Ça fonctionne. Ok, c'est bon. Que des alliés. Vas-y, on va avoir une armée de robots. Bah du coup on a plus rien à faire nous, on a juste à... voilà. Ah, jusqu'à la fin du jeu je veux ça moi. Porte. C'est la guerre. Arrêtez de pousser, mais arrête de pousser. Ah bah là il est fort un par un. En plus on est protégé par les robots qui mettent leurs boucliers là. Ok. Oh putain ça spawn derrière nous. Ah mais... Tu vois c'est dans mes tirs les petits potes. Ouais, moi j'utilise des armes plutôt explosives. Bon, je regarde parce que je perds quand même pas mal de vie là. Attends, hop. Ok. Putain, mais le robot qui se met devant moi là, c'est con là. Ok. J'ai pas eu le temps de récupérer un peu de vie, c'est pas grave, mais. J'aurais bien aimé quand même. J'ai effacé tout ce que j'ai trouvé. Ils ne se serviront plus jamais de mes plans. Vous voulez vraiment pas rester ? Un autre combat nous attend. Oui, voilà, dans un manoir de milliardaires. Vous avez toute la puissance de feu nécessaire. Évitez simplement de lui tourner le dos, à lui. Dès que vous partirez, l'Empire lancera toutes ses ressources à votre poursuite. On leur échappera. S'il vous attrape, on s'est jamais vu. Le destin de la galaxie en dépend. Waouh, vous adorez vraiment brasser de l'air, hein? D'accord. Un autre feu, pic de vipère. Ah, du coup, on quitte directement la planète. Du coup pour l'instant je... Ah c'est peut-être Jalen qui va me donner une nouvelle quête, c'est pas impossible. Bah voilà. C'est au moment d'équipage, Guidic. Et une amélioration du blaster. Attends parce que là on va se rattaquer là. Allez tout le monde, on s'accroche. Ah. Vous avez à côté Kidik, qui a retrouvé et recruté son ancien partenaire Kidik, le réparateur de droïdes, et l'a aidé ainsi que la rébellion à perturber un projet de droïdes impérial particulièrement dangereuse en pénétrant dans une base secrète impériale. Kay se rapproche un peu plus objectif du braquage. Elle va bientôt pouvoir se débarrasser de sa marque de mort, je crois, et empocher... Alors, vu que c'est écrit blanc sur blanc, je pourrais pas te dire. Qui couvrira ses besoins et ceux de Nyx pour toute leur vie. Ils auraient dû mettre... Ils auraient dû mettre un petit fond noir, je pense. Hop, attends. Attends, pleine puissance, je vais me barrer. Hop là. On a été touché. Non mais attends, je vais crever là. Attends, c'est quoi le 3? Trop de cibles.
Putain, mais ils sont où ces cons? Je vais bientôt pouvoir me réparer de toute façon. Putain, mais. Ouais, j'ai arrêté de nous tourner autour! Ok, un en moins. Ah, vous voulez vous battre? Y'a pas de soucis. Bah alors, on est nul. Là, je vais sortir ma tourelle. T'inquiète, je vais réparer. Là, je vais me barrer parce que j'ai l'impression qu'il y avait dans l'infini sur ma gueule là. Ça fait partie de la mission, ça, ou... Ce qui est bien, c'est qu'en fait... Ok, il a explosé tout seul. Mes armements sont pas mal. C'est juste mon bouclier qui est peut-être un peu pas ouf, en fait. En fait, j'ai quoi comme quête à faire, là? Au final, je sais pas, hein. Il va se battre. Non mais c'est pas possible. La tourelle est active. Cool. En même temps, je récupère des trucs sur eux. Hein. Hop là. Et par contre, le L3, ça là, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est un brouillard. Ok, pardon. Ah, pardon. Ok. Alors, est-ce que j'ai des quêtes Ah oui, héritage. Mais attends, faut que je retourne sur Akiva en fait. En fait, je suis parti d'Akiva pour retourner sur Akiva. Voilà, c'est peut-être une technique pour partir de l'île, enfin de là où on était. De façon discrète, à pas être suivi sur la map et retourner sur l'île, mais c'est assez bizarre. Hein, ce vaisseau nous poursuit pas, si? C'est une corvette impériale de classe Raider. Impossible de sauter tant qu'elle est dans le système. On doit éliminer leur sous-système d'armement. Ok. Ça nous donnera le temps de sauter. Ah bon? Rien que ça? Ou alors on retourne sur la planète. Wow! On a perdu notre bouclier! Ah, mais il a trop de vie là! Nous sommes touchés! Ça, j'essaie de me barrer un peu pour. Ouais, mais les systèmes de pour se protéger des trucs comme ça, c'est un peu plus complexe. Détruire leur système de ciblage. J'essaye. Il y a des vaisseaux ennemis partout. Ah, mais attends, je suis en train de dézinguer là. Attends. J'ai juste essayé de reprendre un peu de bouclier. Je pense que là le brouillard est peut-être utile. Ouais. C'est à ce moment-là que le brouillard est assez utile. On essuie des tirs. Tourelle activée. Non, l'esquive n'a pas fonctionné. Pas grave, je prends mon bouclier. Je vais me barrer parce que je suis en train de prendre tarif. C'est rare qu'on ait des combats de vaisseaux comme ça. Hein. Ah, j'ai réussi à en esquiver un, mais pas deux. Il est où son vaisseau de merde? C'est bon, normalement il est mort. Il est mort normalement. C'est bon, normalement il est mort. La tourelle est disponible. Allez, je vais l'activer. Eh, venez là. Vous voulez vous battre? Venez là. Vous savez jouer les bonhommes.
Ah là. Ah, je vois ça, hein, mais écoute, je suis un peu tout seul. Un bal contre 70 types là. J'ai bien fait d'améliorer mon vaisseau quand même, hein, parce que je pense que j'aurais bien galéré sinon. Ok, je suis dessus. Et voilà. Ok. Et le dernier. Enfin, il me semble que c'est le dernier. On est touché, Kelly. Ah, mais. T'es vague. Putain de tomber, enculé. Allez. On a perdu le bouclier. Bon, en fait, y'en a encore un. Les trucs que j'ai explosé là, faut que je le retrouve pour récupérer son loot là. Ok. Ok, c'était pas si mal. Ah, le problème c'est que du coup, je sais pas. Ah, il est là-haut, je crois. Non, pas ça. Ah, quoique. Non, si, c'est possible que ça soit ça. Voilà, hein. Nous, on va retourner sur notre petite planète. Parce que je pense que j'aurais pas pu changer de système. Si en fait, je l'avais pas défoncé. Possible. Je crois que c'est ce qu'il m'a dit de toute façon, hein, mais. Mais ils ont voulu faire les malins, bah voilà, maintenant qu'ils assument. Mais je pense que si je peux, j'essaierai d'améliorer encore plus le bouclier du Trailblazer parce que. Il se liquide quand même assez vite, je trouve. On va essayer de voir ça, on a intéressant. Espérant que. Ouais, non, je crois que je retourne dans la base où je suis d'habitude, donc c'est cool. Normalement, le. On va dire le mécano, il est juste à côté. Mais normalement, j'avais aussi des améliorations pour mon blaster. Bah voilà! N'oublie pas que Jaylen veut te parler. Ok, bah. Jaylen? Hey, comment va ton ami Kidik? Il sera prêt pour le boulot. Parfait. Tu sais, pour être honnête, j'étais pas convaincu par tes choix de coéquipier pour ce boulot. Mais t'avais raison. Ça s'est bien passé. Ouais. J'aurais juste aimé qu'on n'attire pas autant l'attention pendant l'extraction. Dans cette profession, on est parfois dans le viseur, c'est inévitable. Tout ce que je te demande, c'est de continuer à t'en sortir en un seul morceau. Ouais, c'est prévu. On se parle plus tard. Allez, tcho. C'est vrai parce qu'à chaque fois, il me dit de récupérer du matos, mais je pense pas que ce soit ce matos-là à chaque fois. Attention, une criminelle dangereuse a été repérée dans votre secteur. Ouais. Elle est la cible. Ouais, c'est moi. Attends, ça dépend parce qu'ils sont où, là. Attends, il faut avoir des zooms. Je crois que c'est eux qui sont à ma recherche. Je suis pas sûr, hein, mais je crois. Attends, hop. Module de configuration. Ah, c'est que pour l'ionic. Ah, attends, et je peux faire une surtension. Ouh, ça peut être pas mal, ça. On peut faire un gaz artisanal de module ionic provoquant une surtension ionique à courte portée efficace contre les boucliers et les droïdes. Mais nickel, c'est exactement ce qu'il me faut, ça. Parce que c'est vrai que celui que j'avais de base, il était pas si bien. Je vais voir quand même, mais je sens que quand je vais sortir, je vais me faire défoncer. Avec lui, il me parle, je lui parle. Hein. Ça ne tombe jamais ce qu'il peut me proposer. Quoi? T'as compté? Mais le mec qu'on a à côté là, il peut pas réparer notre robot là. Parce qu'il avait la mal en plan et lui normalement il répare les droïdes donc. Ouais, bah c'est bon, on a compris. Oh merde. Ah mais en fait.
en fait quoi. Je crois que l'autre là-bas il arrive en même temps. Non je crois pas. Bah du coup nous on va peut-être se laisser là-dessus du coup. Oh putain il arrive vraiment en plus ce con. Attends je vais juste voir un truc sur la carte si au pire j'avais la possibilité. Non de toute façon j'ai rien. Parce que quand t'as possibilité de l'améliorer il devient le couloir jaune tout simplement. Alors que l'équipage de braquage est presque au complet, KND5 part à la recherche d'un autre pirate. Ouais, en fait, je pense que. Ouais, coucou, je panier, toi. Du coup, nous, les petits potes, on va se laisser là-dessus pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. On aura eu pas mal d'aventures. Je vais juste me mettre dans mon vaisseau au cas où pour. Wesh, vas-y, détruis tout aussi là. Mais Ouais, hey, tu vas te calmer, c'est moi qui vais te neutraliser, ok. Du coup, ouais, il y aura eu pas mal d'actions sur Terre, dans l'air. Et c'est pas prêt de s'arrêter apparemment, parce qu'on est, on devient tellement recherché qu'on a des escouades à nos trousses. Du coup, nous on se dit à la prochaine pour la suite de l'aventure, et savoir si on va finir vivant. Allez, ciao tout le monde.